Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Et durant cette petite heure, euh, je ne vais pas être tout seul, je vais être accompagné, comme vous le savez, par Stéphane Baril. Euh, et sur cette petite heure, on va être en direct du canapé. Donc bienvenue sur nos sessions Adobe Live, sur nos sessions euh, Beyond, qui, ont, qui sont disponibles, et eh bien comme à l'habitude, sur la chaîne YouTube Adobe France, mais aussi, si vous le souhaitez, sur la page Beyond. Uh, live Vous devriez trouver uh, ça en direct. Vous allez pouvoir échanger avec nous. Vous allez pouvoir uh, communiquer par ce biais là J'ai vu que vous étiez quelques-uns à nous suivre. Uh, je vous partage à l'instant mon écran. Comme ça, vous verrez ce qu'il s'y passe. Donc je suis en petit là dans le coin. Euh, nous sommes en direct de ce canapé, il est 14h, tous les jours à 14h vous aurez un nouveau direct avec un nouvel invité. Aujourd'hui Stéphane nous parle des variantes de couleurs, demain nous recevrons Flore Maquin pour parler illustration, et on parlera euh, d'animation avec Raphaël Bluzet, qu'on a déjà vu sur la chaîne, euh, notamment pour son court-métrage en parlant du cosmos et on terminera la semaine vendredi avec Aurélien Malagoli alors évidemment comme vous avez pu le constater il n'y a pas de jeudi parce qu'on s'est dit que le jeudi c'était repos pour tout le monde. Pour la suite, donc, vous pourrez retrouver les émissions donc, sur, le, sur la chaîne YouTube comme à l'habitude, et vous pourrez repasser pardon, sur Beyonce.net. Et sur Beyonce, comme c'est un petit peu nouveau pour vous, je sais qu'on a évoqué un peu le, le cas ensemble, vous avez un onglet direct. Et si vous êtes en France, vous pouvez cliquer sur Adobe Live en français. Et quand vous cliquez sur Adobe Live en français, vous êtes. Waouh, magique On est ici aussi. Donc voilà, vous allez pouvoir revenir ici, vous allez pouvoir échanger avec nous. Euh, ça vous permettra aussi de retrouver toutes les sessions précédentes elles sont déjà disponibles pour vous. Voilà, merci à tous de nous suivre. Et je vais redonner un petit peu de voix à Monsieur Stéphane Baril. Je vais lui donner un petit peu de visuel. Salut Stéphane, bonjour. Salut Franck, euh, bonjour à tous. Effectivement, et vous entendrez peut-être une autre voix en tâche de fond. Alors, euh, un petit supporter, je pense. Donc euh, aujourd'hui, ouais, donc on va parler des, des variantes dans Illustrator, mais on va faire un petit tour aussi dans InDesign et puis dans dans XD aussi pour voir comment appliquer ça, et comment euh, comment détourner en fait cette la fonctionnalité des variantes. Des variantes euh, de couleur. De couleur, tout à fait. Oui, c'est pour tout ça. ça que ah oui, non, mon, mon écran est peut-être pas encore affiché, mais c'est pour ça qu'on va commencer avec euh, expliquer un petit peu ce que sont les nuances dans d'illustrator, l'outil principal, ça sera Illustrator, mais on va voir comment euh, comment l'utiliser en fait pour pour d'autres usages. Alors je vais mettre ton écran, comme ça on s'y on retrouvera un petit peu mieux. Ouais, ce sera beaucoup mieux comme ça. Et on fait comme d'habitude pour nos sessions en direct, euh, je disparais et, euh, et je viens te rechercher quand, euh, quand on a des questions du public. Ça marche N'hésitez pas. Voilà. Tout de suite. Et n'hésitez pas à poser des questions, Franck va les relayer. Donc soit effectivement... Euh... Nos modérateurs euh, stars, tels que, tels que Alex, etc., Pierre-Etienne, s'il est là, euh, bah, vont aussi répondre dans le chat, mais euh, j'essaierai de, bah, de, ré de répondre à, aux plus grosses questions euh, avec, avec l'aide de, de Franck. Okay. Donc aujourd'hui, on va voir donc, la, la, comment créer rapidement des variantes euh, d'un graphisme, quel qu'il soit. On va en voir plusieurs. Euh, J'irai sur stock pour aller récupérer quelques, quelques vecteurs en fait, que que je récupère ailleurs et que je vais adapter à ma palette de couleurs ou autre. Mais juste avant, euh, j'aime bien toujours commencer par ça quand on parle de couleurs dans Illustrator, c'est que dans Illustrator, donc, on a ce panneau nuancier, et dans le panneau nuancier, on a tout un tas de types de nuances, et là on va plus particulièrement parler des, des nuances de couleurs, c'est-à-dire des nuances d'aplat, euh, ici. Maintenant vous avez aussi des nuances de dégradé, comme on le voit ici. On va aussi avoir des motifs ici et puis des groupes euh, ici, bien entendu. Donc on peut filtrer par ce petit menu, juste pour le rappel, euh, les éléments. Donc ici, euh, j'aime bien toujours aussi rappeler qu'on a euh, trois types euh, de, de nuances. On a des nuances, ce qu'on appelle des solid colors en, en anglais, c'est-à-dire euh, eh bien, des couleurs, couleurs unies. On a une couleur unie ici qui a un petit triangle, qui est ce qu'on appelle une couleur unie euh, en temps global. Euh, et on a euh, la même chose avec un petit triangle et un petit point noir. Hein. Euh, les zoom écrans si je me souviens bien euh, fonctionnent hein, pour euh, en cas où vous ayez un petit peu de mal ouais, à le voir. Bien, bien. Euh, eh bien euh, vous euh, vous voyez donc ici vous avez à côté la même chose mais si c'était sur un contour hein, ben, voilà donc cette représentation j'aime bien toujours commencer par ça pour euh, tout simplement pour rappeler un petit peu des basiques si je prends euh, par exemple un aplat ici si je viens euh, sélectionner euh, voilà je prends une nuance au hasard hein, c'est pas très grave la, la nuance je crée une nuance ici euh, historiquement maintenant c'est en global par défaut ici, juste pour vous montrer. Donc si je zoome sur mon panneau, euh, donc ici il y a cette case globale qui maintenant est activée par défaut, mais euh, sinon euh, avant il, vous n'aviez pas ça. Donc du moment où vous n'aviez pas ça, ça voulait dire que votre nuance allait apparaître comme ceci, hein, le fameux euh, carré euh, sans, euh, sans le petit triangle. Euh, euh, le problème de ça, si je dézoome, euh, maintenant si je prends par exemple une couleur, par exemple comme cette couleur qu'on a ici. Voilà, que je lui applique une couleur ici qui est une couleur globale, donc la même que j'ai dans mon exemple ici. Et si je prends par exemple, alors on va reprendre encore un autre rectangle, euh, ce coup-ci on va faire un rectangle beaucoup plus grand et on va lui mettre un dégradé par exemple. Donc je vais aller chercher mon panneau de dégradé, fenêtre, dégradé de couleur. On va appliquer une nuance et dans cette nuance je vais venir déposer le orange qui est une couleur non globale et cette espèce de violine qui est une couleur globale. Je pourrais mettre aussi ces couleurs sur les contours, sur tout un tas de choses. Donc du moment où on peut appliquer une couleur ici, euh, la grande différence va se passer ici. Donc si je désélectionne euh, mon, mon élément ici, si je viens double-cliquer sur une couleur qui est non globale, donc elle est présente ici, elle est présente dans le dégradé, mais elle pourrait être présente ailleurs, même si je fais aperçu, juste pour le rappel, vous pouvez voir eh bien, que ça n'a absolument aucun impact sur euh, l'affectation de cette couleur. Elle est bien changée ici dans mon nuancier. Donc c'est une, une couleur de référence, mais ensuite elle n'a aucun lien avec là où elle est appliquée. Vous l'aurez certainement compris, et juste pour le rappel, euh, donc, si je viens maintenant double-cliquer sur cette nuance qui est ici, donc, qui, est une, qui est en global, eh bien, je vais pouvoir changer euh, avec l'aperçu activé, je vais pouvoir changer cette couleur et partout où elle est utilisée y compris dans des contours, y compris dans des effets ou autres, sur du texte, eh bien elle va être modifiée. Donc historiquement, pour pouvoir euh, corriger et contrôler des couleurs a posteriori, il fallait à tout prix avoir pensé à faire des nuances globales. Donc ça c'est un petit rappel, parce que c'est toujours super intéressant aussi les nuances globales, non pas seulement pour ça, mais c'est aussi parce que si vous regardez maintenant donc, le panneau couleur, donc je vais appeler mon panneau couleur ici. Si vous appelez le panneau couleur, quand je prends une couleur qui, donc qui est non globale, une couleur de base, euh, vous voyez, bah, j'ai effectivement les curseurs, donc soit RVB, euh, soit niveau de gris, euh, teinte saturation, etc. Maintenant, quand je clique sur une couleur globale, eh bien, elle réagit de manière globale. On a ce qu'on appelle sa teinte, son tramé aussi, euh, où on va pouvoir, eh bien, ici réduire et faire des jeux par exemple parce que j'ai besoin euh, de, de faire des, des jeux de, de, de subtilité par exemple dans mon graphique, utiliser la même couleur, mais de, en la tramant, donc en, en baissant sa teinte, tout simplement. Donc l'autre avantage de, de, de ces couleurs globales, au-delà d'être synchronisées partout, eh c'est de pouvoir réagir comme une seule couleur et de pouvoir en faire des teintes, en faire des tramées. Donc, ça, c'est super important et c'est super pratique. Alors, maintenant, rien n'est perdu parce que euh, maintenant, lorsque, euh, imaginons que je, je fasse un nouveau document, alors on ne va même pas imaginer, je vais le faire. Ça va être plus simple. Je vais prendre un, un document de base avec, euh, avec le nuancier de base qui apparaît, comme vous pouvez le voir ici. Si je viens, euh, ce que je vais faire, c'est que je, euh, je, vais, je vais faire un rectangle. Et puis, euh, hop là, je vais faire hop. Voilà. Et on va faire une petite. Une petite astuce, je vais prendre le groupe de peinture dynamique. Alors là, je n'ai pas ma barre complète, donc je vais reprendre ici ma peinture dynamique. Hop là, si je la retrouve rapidement. Hein, juste pour le rappel aussi, dans Illustrator, maintenant vous avez des barres simplifiées. Euh, et ça va dépendre des espaces de travail. Ici, je suis dans l'indispensable, euh, et vous pouvez ajouter, supprimer en fait des éléments de votre de votre barre. Donc ici, je cherche. Euh, si je le vois assez rapidement, il faut que je fasse une feature request pour demander un petit champ de recherche, ça serait quand même beaucoup plus simple. Et je cherche voilà, mon pot de peinture dynamique que je vais mettre ici. Et je vais prendre l'autre outil, même si on n'en a pas besoin. Donc, ce, voilà. donc ça c'est bon, je peux refermer les trois petits points ici. Voilà, donc ce que je vais faire ici, ça, ça me permet juste, euh, vous savez qu'un groupe de peinture dynamique, enfin une peinture dynamique, si, euh, si vous venez euh, travailler avec cet outil, va me permettre par exemple de faire ça. Et c'est un moyen assez simple pour remplir. Donc, avec les flèches, je fais, en fait, avec les flèches, je fais défiler ma nuance, en fait, dans le, dans le nuancier. Donc, flèche de gauche, je viens, je vais sur la gauche ici. Flèche de droite, je vais sur la droite. Et donc, là, ça me permet assez rapidement, eh bien, de mettre des couleurs différentes un peu partout. Donc ça c'est une petite astuce voilà pour pouvoir mettre des couleurs ici. Maintenant si je veux convertir tout ceci en nuance globale, eh bien vous pouvez simplement cliquer sur le groupe donc vous sélectionnez les éléments, vous cliquez sur le groupe. Et vous allez cocher convertir les couleurs quadrées en couleurs personnalisées, donc sous-entendu couleurs globales ». Vous pouvez donner un nom, bien entendu. Et à partir de maintenant, euh, donc les premières couleurs d'origine n'ont plus d'intérêt. Hein. D'ailleurs, si je viens ici et je fais sélectionner les nuances non utilisées, vous voyez bien qu'elles sont sélectionnées, et donc je peux par exemple les supprimer. Voilà. Donc on voit bien que c'est celles-ci maintenant qui sont appliquées. Et l'intérêt, c'est que, bah, bien entendu, je pourrais avec un aperçu changer en fait cette couleur dynamiquement. Voilà. Donc ça, c'était juste pour des, des, des petits rappels parce que c'est assez important et parfois quand on récupère un graphisme et je vais vous parler de ça justement euh, à partir de, de stock en fait des, des illustrations vectorielles. et eh bien, si vous voulez gérer euh, de cette manière parce que vous avez juste besoin de changer une teinte, c'est possible. Maintenant, on va voir qu'il y a encore plus simple. Euh, dans, euh, dans Illustrator pour pouvoir euh, faire ça. Donc depuis CS3 en fait, il y avait ce qu'on appelait la couleur dynamique, qui maintenant s'appelle redéfinir les couleurs. Et on va voir euh, ça. Et c'est un des gros sujets que l'on va avoir ici. Mais juste avant de faire ça d'ailleurs, pendant que je suis sur, euh, sur cet élément là, juste avant de faire ça, j'aimerais vous parler en fait du guide des couleurs. Alors euh, je sais qu'il y a 30 secondes de délai à cause de l'encodage euh, des éléments, mais juste un petit sondage dans, dans, dans le chat dans pour savoir euh, qui connaît en fait le guide des couleurs a déjà utilisé. Alors, euh, Connaît, vous mettez juste connaît, connaît pas, et euh, 100%, 0% si vous n'avez pas utilisé. Je me suis permis de relayer la question. Ouais. On va voir si ça permet d'aller un, un <coughs> peu en plus loin. Vous le... euh, entendez peut-être, je suis malade, une petite crève ouais. de base. Ça va rien, rien de vrai. bien méchant. Rien de bien méchant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Donc voilà, une petite crève de base. Donc le guide des couleurs, qu'est-ce que c'est Alors je vais déjà aussi décomposer ici. Euh, Ma peinture dynamique, alors je peux le faire par, par le, le menu peinture dynamique ou euh, de cette manière là. Voilà. Donc ce que je peux faire ici, c'est euh, lorsque euh, parfois on va chercher en fait une gamme de couleurs euh, pour une création, quelle qu'elle soit, que ça soit du packaging, que ça soit des éléments. Pour, quand on est en phase de recherche, on peut se baser sur une photo. On, on va en reparler bien entendu très rapidement si on a le temps de, de capture, mais on peut aussi se baser parce que je sais que j'ai une image, une, une couleur d'ambiance. Imaginons que je veuille quelque chose assez chaud. Et c'est ce genre de, de, de couleur-là qui, qui m'intéresse. Donc si je viens euh, ici voilà, sur, euh, sur cet élément, vous voyez que quand je vais choisir une, une couleur ici, c'est cette couleur qui apparaît juste ici, là. Euh, ici. Et donc ça veut dire simplement que c'est que ça va être la couleur d'inspiration de ma, ma gamme de couleurs. Et on voit que par défaut, là, pour l'instant, il me donne trois variations de couleurs en plus de celle-ci. Euh, enfin, celle-ci est ici d'ailleurs, elle est au milieu, hein. je peux à tout moment changer et dire c'est cette couleur là ou c'est cette couleur-là qui est ma couleur de base. Et il va me donner trois couleurs ici en variation. Sur quoi il se base Alors je regarde juste avant de, de répondre à ça. Donc, 0%, on est, on est à, 0%, à beaucoup de 0% sur l'ensemble le, sur des questions. Donc, tu peux y aller. Ok. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe bah pour me permettre de travailler une gamme de couleurs, il y, y a une chose qui est la capture d'une inspiration. Et là, c'est euh, Adobe Capture, on en a déjà parlé, mais je reviendrai dessus pour ceux euh, d'ailleurs qui, euh, qui connaissent Capture. Euh, un petit, pareil, 0-100%, euh, enfin, Capture 0-100%. Euh, comme ça, on verra. Euh, si je passe beaucoup de temps ou je, je fais juste un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu euh, en fait il y, y a des fois donc on a déjà une base d'inspiration mais on veut créer une déclinaison, hein. pour rappel euh, une capture de couleur ou une gamme de, 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 de recherche hein, sur, sur la palette euh, généralement d'un peintre 3, 5 couleurs peuvent suffire pour la gamme de base et ensuite on va les décliner donc ça ne sert à rien d'aller plus loin c'est pour ça que capture par exemple ne fait que 5 couleurs mais parfois on a besoin ensuite, si on veut mettre dans une interface ou autre, de créer en fait des déclinaisons et ben c'est exactement à, à ça que ça sert en fait le guide des couleurs. Donc le guide de couleurs, vous allez ici et en fait vous allez voir que on vous propose, pour l'instant il n'y a que trois couleurs, mais en fait on vous propose des règles d'harmonie de couleurs. Alors ça vous dit certainement quelque chose, le, les complémentaires, les complémentaires divisés, gauche, droite, analogue, euh, etc. Et donc en gros, ça va se baser sur ces règles de couleurs. Au passage, si vous voulez les visualiser, vous cliquez sur ce petit bouton modifier ou appliquer. Et c'est exactement ce que l'on va voir tout à l'heure ici, donc je spoil un petit peu, surtout dans le modifier ici. Donc les règles de couleur, pour mieux les voir, je vous conseille d'ouvrir la boîte de dialogue. Quand vous voulez comprendre, si vous ne connaissez pas trop les règles de couleur, eh bien qu'est-ce que c'est qu'une complémentaire bah, C'est Les deux couleurs sont l'une en face de l'autre sur le cercle chromatique, donc elles ont un meilleur contraste de couleurs. Et vous voyez qu'en temps réel, ça se met à jour derrière, hein, ici, et on voit qu'on a des variantes qui vont être créées. Euh, on va pouvoir, bah, du coup, regarder. Qu'est-ce que c'est qu'une analogue? C'est simplement des couleurs voisines de la couleur euh, que l'on utilise. Euh, et euh, cet analogue peut être plus ou moins écarté, ou plus ou moins resserré. Et on va créer de la variante au lieu de faire ce que l'on appelle, un, comment dire, un camailleux. Un camailleux, c'est la même couleur, simplement avec des niveaux de luminosité, de saturation différentes. Mais c'est exactement la même teinte. Euh, donc, c'est la définition même d'un camailleux euh, ici. Donc là, on n'est pas sur un camailleux, on est sur de l'analogue. Donc, vous voyez que, du coup, très rapidement, on va pouvoir. Alors parfois ça va être juste euh, si on ne connaît pas forcément qu'est-ce que c'est que les contrastes élevés. On n'est euh, pas loin en fait de, de, de la complémentaire divisée. La complémentaire divisée, c'est la complémentaire et en plus on a des couleurs euh, avoisinantes. Donc si je vous montre par exemple ici, euh, complémentaire partagé ici. Voilà. Donc, on va prendre une couleur qui est peut-être soit votre couleur principale, euh, soit votre couleur de contrepoint. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que là, vous êtes euh, dans un hiver de nuit bleuté et il y, y a une couleur de contrepoint qui va mettre en lumière les autres. Euh, eh bien, c'est un orange, une flamme, par exemple, ou ça peut être l'inverse. Vous pouvez avoir majoritairement du orange et, et plus, un, plus, un plus grand caméo Donc là, on commence à voir, en fait, qu'il y a énormément en fait, de différences de types de, euh, de, 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 type de couleurs. Voilà. Donc là, ça vous permet déjà de comprendre qu'est-ce que c'est, finalement, de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que ces règles que l'on va trouver ici. Encore une fois, on n'est pas forcément obligé de passer par là, on peut tout simplement passer par là et voir s'il y a une gamme que l'on trouve intéressante. Alors parfois, elles sont trop vives. Alors ça, il ne faut pas s'inquiéter si elles sont trop vives, parce que c'est justement ce qui est intéressant ici, c'est que je vais pouvoir choisir, à partir de cette gamme ici, choisir des couleurs plus pastelles, plus sombres, etc. D'ailleurs, ici, on voit que j'ai euh, les couleurs que l'on vient de prendre dans ma gamme. Toujours, ma couleur de base est ici. Et on va les retrouver ici. Donc, dans ce sens-là, hein, ici. Et ici, on va avoir des variations, ombre ou teinte. Alors, personnellement, j'utilise très peu ombre ou teinte. On va avoir aussi vive et teinte. On est plutôt désaturé, saturé. Euh, et on va avoir, moi, ce que je préfère, en fait, chaude-froide. C'est-à-dire que je, je réchauffe mes couleurs, elles vont vers les jaunes-orangés, où je les refroidis. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que par rapport à ces variations-là, je peux demander à ce qu'il y ait plus de variations. Donc si j'ouvre, donc ici, excusez-moi juste pour revenir, je viens dans le menu local, ce qu'on appelle le menu local, hein, c'est ce euh, le, le petit menu burger que vous avez en haut à droite de chaque panneau, euh, donc c'est local au panneau, euh, et vous avez option euh, du guide des couleurs. Et là, vous allez avoir la possibilité de demander le nombre d'étapes que vous voulez sur le côté. Donc là, par défaut, j'étais à 4, et je peux demander un plus grand nombre d'étapes. Ce que je vais pouvoir lui demander, c'est aussi quelle est la variation que je veux. C'est-à-dire que là, il va à 100% de variation vers, le, vers la couleur froide et vers la couleur chaude. Je peux dire non, mais en fait, moi, je veux juste un petit peu plus, un peu de froideur, et du coup, je vais avoir plus d'étapes avec un, une, meilleure, euh, une meilleure gradation, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, du coup, c'est intéressant parce que je vais pouvoir, et ce panneau, il est, euh, il est extensible, hein, donc vous pouvez euh, assez facilement euh, euh, travailler euh, sur une gamme de couleurs. Et l'intérêt c'est que après bah, vous pouvez prendre bah, les couleurs qui vous intéressent dans cette gamme. Dire, bah, je vais prendre peut-être plus orangé ici, ça. Donc je suis avec la touche euh, commande, contrôle sur Windows, et je suis en train de chercher là à vue la gamme que je trouve intéressante par rapport à ce que je veux faire. Donc là j'ai deux choix. Soit j'enregistre ça en groupe de couleurs, soit je vais continuer à affiner ça sur la roue des couleurs avec le petite, euh, la petite roue des couleurs en bas à droite. Hein, donc deux icônes un pour mémoriser en termes de groupe de couleurs dans le nuancier et un pour modifier ici et hop là, bah là j'ai relâché en fait euh, au mauvais moment euh, ici donc là c'est un bug utilisateur hop le fameux voilà je prends quelques couleurs dans ma gamme ici je clique alors je ne sais pas pourquoi là il me fait ça donc là c'est un petit euh, là c'est peut-être pas un petit bug utilisateur c'est peut-être un petit bug on verra j'insiste Plat. Ouais. Alors là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Normalement, euh, normalement, ça se mémorise assez facilement. Donc là, j'ai peut-être un bug ici à remonter sur ma version à tester. Ouais. Donc là, ça fonctionne bien. Donc dans ce cas-là, on le met, on le met à jour ici. Vous voyez que du coup, quand le dossier est sélectionné, il a remis à jour ma sélection de couleurs ici. Et maintenant, ça devient ma base principale. Donc c'est là où je voulais en venir aussi. Euh, et si je voulais vraiment le faire à vue, hein, je peux revenir ici. Et là, je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire. Ah oui, alors excusez-moi, c'est un bug utilisateur. Le bug utilisateur, c'est que j'ai une forme sélectionnée. Et en fait, que le guide des couleurs, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir quelque chose de sélectionné. Et donc là, quand je demande de recoloriser, eh bien, il recolorise la forme sélectionnée. C'est ce que j'appelle les bugs utilisateurs. C'est ce que disent les informaticiens, enfin les, les responsables des services IT. C'est que 85% des bugs se trouvent entre le clavier et la chaise. Et là, ce que j'appelle moi un bug utilisateur. Donc voilà, donc là, c'était bel et bien moi. En fait, c'était parce que j'avais quelque chose de sélectionné. Donc ici, et il tentait de sélectionner avec la couleur principale, bien entendu. Donc ici, maintenant que j'ai fait cette deuxième variation, et bien vous voyez que je vais encore pouvoir aller chercher des couleurs que je trouve intéressantes. Et ici, là maintenant ça marche, hein, tout simplement parce que je n'ai rien de sélectionné, et que là il ne cherche pas à recoloriser parce qu'il n'y a rien de sélectionné. Donc là, il me représente simplement les couleurs sélectionnées euh, dans mon guide des couleurs et donc là je pourrais très bien alors on va revenir sur ça, je pourrais très bien venir euh, bah, changer en fait cette règle d'harmonie je pourrais même la casser ici en cliquant sur cette petite chaîne ici, et Donc juste pour que tout le monde ait bien vu, ici vous voyez que les traits sont bien pleins et que quand je bouge une couleur tout se bouge il va juste resserrer en fait la saturation euh, parce qu'ici je suis en, 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 en saturation éteinte sur la roue et, mais je pourrais mettre en luminosité et teinte ici. Euh, donc là, si je fais ceci, vous voyez les pointillés, ça veut dire que je peux prendre chaque couleur indépendamment, la changer, changer sa teinte, sa luminosité ici. Okay. Donc voilà, donc ça, ce qui est intéressant ici aussi, ce, donc là, je viens de faire une modification, donc ce que je peux faire, c'est ouvrir le petit panneau, ici, il y a un petit triangle sur la, sur, la, sur la droite, et je peux ouvrir ici, je peux mémoriser cette modification, je peux revenir euh, aux couleurs précédentes, ici. Et pour pouvoir bah, valider un petit peu cette gamme de couleurs. Est-ce que ça va pour l'instant? Ouais, alors pour l'instant, aucun souci du côté du chat, tout le, monde, tout le monde est là, tout le monde va bien. Mmh. Euh, on, concernant ta question sur capture tout à l'heure, on a eu des 100% notamment des gens qui l'ont découvert sur le canap comme ils le disent. Euh, ouais. Et euh, par contre, on a pas mal de gens qui sont curieux, euh, 0, 20%, 40%. Donc je pense qu'il peut y avoir moyen d'en de, parler. Ok, bah alors je, je fais un petit saut de, de suite dessus, je vais ouvrir mon QuickTime. J'ai euh, mon téléphone. Oui, alors pour info, hein, Capture c'est une application qui est disponible sur iPad, sur iPhone, qui est disponible sur Android et qui vous permet de, qui va vous permettre pas mal de choses, notamment au niveau de la couleur. Et on ah, déjà là, vous voyez, utilisé... mon fond, ouais. ah oui, tiens, c'est toi avec le vrai fond vert. On l'a déjà utilisé notamment pour fabriquer des formes plus récemment. Alors, si le téléphone va bien. Voilà. Ok. Donc, Capture, c'est une application qui est, qui est ici. Hein. C'est euh, voilà, une application gratuite comme toutes les applications Adobe. Maintenant, si vous avez un compte Creative Cloud, ça vous permet de faire plus d'échanges avec, euh, avec euh, le, euh, le bureau. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre euh, voilà, un, un livre dont, euh, dont, dont j'aime la gamme de couleurs et on va venir capturer. Donc, ici, j'ai une, une bibliothèque en haut. Je suis dans l'onglet couleurs. Je vais sur l'appareil photo. Et ici, je vais pouvoir. Alors là, je suis sur un mode dégradé. Ce que je vais vouloir c'est plutôt des couleurs, donc on peut capturer aussi des dégradés. Et ici, alors si vous avez des enfants, c'est un très très bon livre. Alors en anglais, mais il est traduit aussi. Voilà. Et donc si je tape, ici je fige en fait la photo sur la gamme qui m'intéresse, et j'ai la possibilité d'aller chercher par exemple ici le rouge qui m'intéresse précisément, l'orange qui m'intéresse précisément, le bleu qui m'intéresse précisément. Voilà, et puis ici peut-être que je vais prendre une deuxième teinte, euh, une deuxième teinte de rouge, je vais, vais peut-être prendre euh, j'ai vu un vert ici qui me semblait intéressant. Voilà. Donc là je suis en train sur une photo de récupérer une gamme de cinq couleurs, en fait, tout simplement. Donc du moment où je suis content sur ces couleurs, j'appuie sur OK. Maintenant, euh, vous savez certainement que la, la photo de votre appareil photo n'a pas la même dynamique que votre œil. Je donne souvent cet exemple. Moi, je suis en intérieur, j'ai une fenêtre devant moi. Si je regarde les ombres à l'intérieur et je regarde en même temps le ciel, je vois autant de détails dans les tons clairs que dans les tons sombres. En photo, si vous faites la mise au point sur l'intérieur, vous risquez d'avoir le, le, le ciel qui va être cramé. Et si vous faites l'inverse, ben, vous allez avoir tout sombre. Alors, c'est pour ça qu'on fait du HDR c'est pour truquer et pour arriver, par exemple, à une photo qui est aussi équilibrée que ce que pourrait voir notre œil. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis devant le livre. Alors là, vous ne le voyez pas, mais moi, je suis devant le livre. Donc si je prends une couleur, je peux corriger pendant que j'ai le, le résultat sous les yeux. Je suis en train de corriger cette couleur parce que ce n'était pas tout à fait la même chose. Si vous aviez pris une photo, hein, une simple photo, euh, vous auriez certainement eu en fait des, des, euh, Lorsque vous l'auriez ouvert en fait, sur votre ordinateur, peut-être que sans, sans, certaines fois vous vous diriez, mais en fait, pourquoi j'avais pris ces couleurs euh, etc. Parce qu'il euh, y a forcément euh, une, petite, euh, une petite différence entre bah, une photo cellule et vos yeux. Voilà. Donc là, je viens de corriger euh, très rapidement euh, les couleurs pour que ça corresponde à ce que j'ai sous les yeux. Et du moment où je fais enregistrer en haut à droite, eh bien, je vais pouvoir mettre ça dans une bibliothèque. Alors c'est la bibliothèque Adobe Stock hein, là, que, que, que j'utilise pour d'autres choses. Je peux bien entendu renommer cette gamme de couleurs. Euh, hop là, c'est bam, bam NKO. Voilà. Je connais pas du tout l'auteur, hein, mais j'aime beaucoup simplement. Hop. et voilà donc euh, donc voilà donc du moment où je fais ça eh bien je vais pouvoir réutiliser ça directement en fait dans, dans Illustrator, dans, dans photoshop dans dans n'importe lequel des, des, des logiciels d'ailleurs pour vous pouvez si maintenant j'ouvre mon panneau de bibliothèque vous voyez que la gamme de couleurs est ici et si je fais un clic droit dessus je peux lui demander d'ajouter de, le thème au nuancier ou voilà tout simplement et à partir de ce moment là bah, je peux reprendre cette gamme de couleurs que l'on a vue tout à l'heure c'est-à-dire maintenant, j'ai cette gamme de couleurs. Et puis, je peux, je peux venir bah, dire, bah, OK, bah, finalement, c'était bien cette couleur, c'est bien cette couleur-là que je veux. Bah, je vais prendre les, trois, les, les cinq couleurs qui me plaisaient vu que je les ai retravaillées. Et je vais me créer une palette de couleurs, euh, peut-être avec d'autres couleurs que je trouve intéressantes, d'autres variations euh, ici. Et peut-être refaire. Une sélection qui elle-même va me permettre peut-être encore d'affiner, voire même tout simplement bien de, de venir les appliquer comme ceci, hein, voilà, pour pouvoir tester si mes couleurs fonctionnent bien sur des objets, voilà, voir s'il y a assez de différence, s'il y en a pas assez, si euh, si ça me semble tout simplement pertinent ou pas, voilà. Et voilà, donc voilà comment se servir en fait de ce guide des couleurs qui va vous permettre finalement bah, d'affiner une palette. Alors là, je fais sur des carrés, hein, mais ça peut être directement sur, sur vos éléments que vous allez faire cette, 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 cette palette. Donc là, on, on voit en quoi on commence à parler de variantes, hein, tout simplement, parce que là, justement, je suis en train de créer une grande variation de couleurs. Hein, et, euh, et effectivement, euh, c'est bel et bien des variations dont il est, dont il est question ici. Est-ce que ça va tout va bien pour tout le monde. Le chat est, le chat est, est, est studieux et, et Laurence se rappelle que la session sur capture a eu lieu le 9 avril. C'est oh, un pratique. mois et demi. <laughs> ok, donc maintenant on va rentrer sur des exemples un peu plus, un, un peu plus concrets, mais je voulais au moins voilà, vous, 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 vous parler de, de ce panneau-là euh, qui, dans une première phase de recherche, en fait, eh ben, est extrêmement pratique et il est super méconnu. On va surtout s'orienter maintenant sur redéfinir les, les couleurs, mais euh, voilà, donc ça c'était juste pour, pour bien vous montrer, on pourra y revenir peut-être tout à l'heure. Euh, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Adobe Stock, voilà, et sur Adobe Stock, j'ai euh, cherché hein, dans les vecteurs, hein, dans les images vecteurs, j'ai cherché des éléments, alors j'aurais pu prendre des éléments encore plus colorés, etc., mais j'ai cherché des éléments vectoriels, euh, ici. Donc on peut, imaginons que euh, voilà, j'ai besoin d'illustrer des choses sur la science, euh, un manuel, etc. Euh, je voilà, j'achète en fait ce visuel, c'est déjà fait. Hein, j'ai déjà acheté et téléchargé dans ma bibliothèque. mais par contre, ce pas tout à fait les, les, les couleurs de la charte, en fait, qui m'intéressent. comme c'est du vecteur, ça tombe bien, on va pouvoir assez facilement euh, travailler, en fait, sur ces images. donc, si je reviens ici, je vais fermer ça. donc, j'ouvre, en fait, euh, j'ouvre cette image. voilà. Donc ici je me retrouve bel et bien maintenant avec, euh, avec bah, euh, des couleurs, je vais enlever les règles ici. Euh, je me retrouve avec pas mal de couleurs, hein. si je fais un commande euh, CTRL Y, vous voyez que voilà on est bel et bien sur du full vecteur. Il y, y a pas mal de choses euh, ici. Euh, L'arrière-plan a été dissocié en fait euh, de, 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 des premiers plans. Bon, moi ce que je vais faire pour, pour l'exemple, je vais, je vais vraiment tout sélectionner pour vous montrer un petit peu euh, ici, mais bien entendu on pourrait aussi sous-sélectionner des éléments, hein, ça euh, bien entendu, et là j'ai caché euh, mes, mes extraits hein, pour, pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Et bien ici, si je viens dans le, dans le panneau de propriété, euh, vous savez que le panneau de propriété hein, qui, a été mis, euh, qui est apparu je crois de, en CC 2018, hein, euh, si je me souviens bien, ou 17, euh, vous permet d'avoir de manière contextuelle euh, des informations sur ce qui est sélectionné, euh, mais aussi par rapport à l'outil sélectionné et à, à, au type d'objet sélectionné. Et vous allez avoir d'ailleurs euh, ce qu'on appelle des, des sélections rapides, des actions rapides, euh, qui vont vous être proposées par rapport à ce contexte de l'outil et des objets sélectionnés par exemple, des gens souvent. Donc, c'est basé sur de l'intelligence artificielle et aussi, et puis aussi sur de la rationalisation aussi, tout simplement. peut-être que les gens veulent grouper, dégrouper, enfin associer, passer en mode isolation, enregistrer en tant que symbole ou redéfinir les couleurs. Donc, redéfinir les couleurs, c'est la fameuse roue que l'on avait vue ici, ici en bas, en fait, lorsque lorsque un dossier est sélectionné. C'est aussi ce que vous pouvez voir si vous fonctionnez à l'ancienne. Moi, de temps en temps, je passe suis pas sur un espace où j'ai les deux, parce que j'aime bien de temps en temps quand c'est plus proche que de, de mon curseur. Euh, vous avez ici aussi, donc tout en haut, l'élément qui peut être ici, qui est redéfinir les couleurs. Je vais revenir sur un espace plus simple. C'est celui que j'utilise le plus, c'est le plus simple. Euh, et puis, euh, vous allez euh, ici, maintenant aussi dans le menu édition, vous allez dans Modifier les couleurs. Et vous avez les anciens réglages qu'on utilisait avant, hein. moi j'utilisais énormément, maintenant beaucoup, 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 beaucoup moins, euh, quasiment jamais d'ailleurs, voilà. et euh, vous avez redéfinir les couleurs, ou redéfinir les couleurs à partir euh, eh bien, de, de paramètres prédéfinis. Donc là, nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est ici. Je ne reviens pas forcément sur tout ça, parce que ça, je pense qu'ils sont assez connus, euh, voilà, pour désaturer, pour vous euh, pour venir faire une conversion RVB euh, de certaines couleurs, mais sincèrement, avec redéfinir les couleurs. Vous avez tout, tout, tout ce qu'il vous faut. Donc redéfinir les couleurs, quand on arrive, on arrive, quand on a un élément sélectionné, on arrive automatiquement dans attribuer. Là où tout à l'heure, par le guide des couleurs, si je n'avais rien de sélectionné, je peux arriver directement sur modifier. Donc deux onglets, attribuer, modifier. Modifier, on est plus sur l'intuitif, on y va à la main et on tourne. Euh, et euh, Alors qu'attribuer, on est plus sur de la production. Je vois que. Il y, a, il, y a, il y a une petite question pour toi, Stéphane, ouais. euh, de la part de, de Gaëtan qui nous dit un petit, une petite question sur un problème qu'il a rencontré. Est-ce que vous savez s'il si est possible d'enregistrer un groupe de couleurs dans la bibliothèque depuis Illustrator euh... Alors, alors un groupe de couleurs, s'il est en dessous de 5, oui, il peut être enregistré comme thème. Mm. Mais non, on ne va pas pouvoir l'enregistrer comme ça. Par contre, on peut, on peut mettre toutes les, toutes les nuances dans un dossier dans la bibliothèque. Je peux montrer après, oui. Ouais, tout à fait. C'était en substance qu'on avait dit. Alors, Merci. Du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. Hop. On va ouvrir la bibliothèque. Je vais prendre toutes ces couleurs-là. Et là, si je clique sur... Donc j'ai sélectionné les nuances qui m'intéressent et je clique sur ce petit bouton pour les ajouter toutes euh, d'un coup en fait dans, euh, dans, euh, dans ma bibliothèque. Et là, donc, ils apparaissent en bas et là libre à moi de toutes les sélectionner et de les mettre dans un groupe de couleurs. Voilà, aussi simple que ça. Juste pour la petite information, c'est un peu différent dans InDesign mais dans, euh, dans, comme dire, dans Illustrator, euh, si vous êtes en fichier RVB, ce qui est mon cas ici, euh, toutes les couleurs arriveront en RVB ici. Si vous étiez dans un fichier CMGN, elles arriveront en CMGN ou Pantone, hein, si vous avez un Pantone, bien entendu. Donc euh, faites bien attention hein, quand on crée par exemple euh, les, les couleurs pour une marque. Euh, bien dans ce cas-là, euh, bah, vaut peut-être mieux créer un fichier CMGN pour créer le Pantone et la valeur euh, CMGN, euh, et puis un fichier RVB pour créer les, les couleurs RVB afin d'être sûr que ce soit les bonnes valeurs que l'on a ici. Donc voilà. Donc ça, voilà. Donc hop, donc ici. Maintenant, effectivement, si j'avais un groupe, j'aurais pu le, le mémoriser, un groupe de cinq couleurs. Donc là, mais ça devrait être un groupe, j'aurais pu l'enregistrer en tant que thème. Mais ça, c'est une petite, une petite histoire. Donc si je reviens maintenant sur, sur notre cas, je reselectionne, je reselectionne tout. Donc tout est sélectionné, mais j'avais caché en fait euh, les, 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 les poignées. Et je viens donc dans, euh, redéfinir les couleurs en passant par les propriétés. On s'aperçoit ici, euh, il m'est dit dans le panneau. Donc là, on est dans attribué, donc on est vraiment dans la partie ce que j'appelle production. Euh, on a, euh, on a 61 couleurs sur l'ensemble. Or moi, à l'œil, je vois un bleu, je vois un rose, je vois bon ok deux, trois couleurs peut-être pour le fond. Donc là, ça faisait peut-être beaucoup. Et on s'aperçoit que il y en a beaucoup parce que effectivement, il y en a certaines, elles sont assez proches visiblement. Hein, je peux faire un double clic ici pour voir. Donc là, on est à euh, 232 là. là. Et euh, si je reviens ici, bah, on n'est pas très loin, hein, d'accord Donc, est-ce que c'est -ce est important de garder autant de variations de couleurs pour si peu de variations euh, à l'écran eh bien, il y a un truc qui est extrêmement, euh, qui est extrêmement pratique. Donc là, où jugé, je sais pas, on va avoir peut-être quoi 7 couleurs, hein, un jaune, euh, le blanc. Alors, le blanc ne va pas être pris en compte, mais euh, voilà, on a un blanc. Allez, on va dire 7 couleurs. Mais bah, ici, vous pouvez, donc, vous pouvez réduire le nombre de couleurs. Alors, il vous propose 1, 2, 3, 4, 5, ou vous pouvez mettre votre nombre. Donc là, si je mets 7, par exemple... Euh, je, fais, je tape sur euh, tabulation pour valider euh, le champ. Alors 7 c'était peut-être pas bon, donc je vais peut-être enlever, euh, rajouter quand même quelques couleurs. Voilà, alors on va mettre 10 couleurs. Bah, vous voyez que ici, euh, bah, j'ai beaucoup moins de couleurs. Et on voit que par exemple sur le fond, je ne sais pas si vous apercevez ici, mais on voit qu'il y a énormément de petits carrés là où avant c'était une grande bande par défaut. Ici par exemple, cette couleur elle est toute seule. Cette couleur actuelle, donc dans l'illustration actuelle, donne cette couleur. Okay. Maintenant je pourrais changer cette couleur, on, on l'a vu. Mais là, en fait, c'est plein de couleurs qui ont été rajoutées les unes avec les autres. Et si je voulais dire bah, cette couleur-là ou ces deux couleurs-là, elles sont quasiment les mêmes, je peux prendre cette couleur et la glisser à côté de l'autre. Et vous voyez que maintenant, ces deux couleurs deviennent la même. Alors, pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure des couleurs globales et de la notion de teinte Il y a aussi dans le petit menu ici, Burger, qui est juste au-dessus des nouvelles couleurs. Il y a aussi la, la, la possibilité, alors excusez-moi, je me trompe, euh, je, je dis des bêtises, c'est euh, ici, là. Là, le, le petit triangle, le petit menu, là, on y retournera tout à l'heure. J'ai la possibilité de dire, OK, bah là, toutes les couleurs que je mets, elles ont quand même une luminosité. Même si c'est quasiment les mêmes couleurs, elles ont une luminosité. Et je veux que tu gardes cette luminosité, donc que tu me fasses des teintes par rapport à la luminosité de la couleur. Ou si je voulais que toutes ces couleurs-là ne me donnent qu'une seule couleur exacte, c'est-à-dire vraiment une solide couleur. Eh bien, je peux cliquer ici et à partir de maintenant, je n'ai plus qu'une seule couleur, et non pas une, une, la même couleur avec plein de teintes. Hein, J'espère que ça va et que c'est assez clair. Euh, N'hésitez surtout pas hein, si, euh, si vous voulez que je revienne sur, sur des éléments. Euh, donc voilà, donc là c'est super pratique. Donc, et là euh, c'est appliqué à tout, donc ça veut dire que toutes les... Par exemple ces deux couleurs-là vont devenir exactes. Alors je pourrais très bien dire non, il n'y a que celle-ci, hein, ce n'est pas appliqué à tous, il n'y a que celle-ci que je veux euh, euh, en couleur exacte et les autres, je veux garder cette, euh, ce tramé en fait, hein, de différence. Donc ça, super, super, super pratique. Donc là, je vais descendu à 10 couleurs. D'ailleurs, si je passe en mode modifié, maintenant on voit que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus réduit. D'ailleurs, je peux mémoriser, donc ici, hein, pour rappel, vous avez un panneau, je peux mémoriser ce nouveau groupe de couleurs qui est à 10. En cliquant sur la petite pipette ici, je peux revenir aux couleurs d'origine, et là on voit que c'est super dense, super dense, super dense par là, et je peux revenir au groupe réduit à 10 euh, en recliquant sur ce dossier. Donc ça, c'est super pratique, hein, comme on peut le voir. Maintenant, je vois qu'il y a encore des couleurs là qui restent sensiblement les mêmes. Il y a quelque chose qui est pratique aussi. Alors, il y a des fois ce que je m'amuse à faire, une fois que j'ai fait ça, c'est que je fais OK, comme ça, euh, parce que là, je, je suis contente de cette répartition, mais je vais encore affiner, je vais encore réduire des couleurs. Mais il y a des fois, j'aime bien faire OK. Donc là, il me régénère un groupe, comme vous pouvez le voir. Et si je reviens sur redéfinir les couleurs, maintenant, je vais avoir aussi dans cette phase de production plus que, plus que 12 couleurs, hein, parce que là, il compte aussi le noir et le blanc, qui par défaut ne sont pas changés. Il n'y a pas de nouvelles couleurs, parce que... Dans les options de réduction de la couleur, juste ici là, eh bien, il est dit qu'il n'a pas le droit de modifier, donc il doit conserver le blanc et le noir. Mais si je voulais retenter le blanc et le noir, je pourrais en décochant ces deux cases. On reviendra dans cette fenêtre ici, tout à l'heure. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a 12, euh, même s'il n'y en avait que 10 ici en réduite. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais savoir exactement où est cette couleur-là et où est cette couleur-là. Pour savoir s'il y a vraiment besoin de réduire ou si c'est important dans mon design. Et eh bien ici, je peux avec la petite loupe. Cliquez sur cette petite loupe. Voilà. Et si maintenant je clique sur une couleur, vous voyez qu'il est en train de me la, me, la, me la montrer. Si je viens sur le bleu, ici, il me montre où est cette couleur. Donc par exemple, celui-ci, celle du dessus, bah, on voit que pour moi, c'est des, des couleurs qui sont assez proches. Donc dans ce cas-là, peut-être que je vais simplement les mettre l'une à côté de l'autre, vérifier que c'est bien en couleur exacte. Et voilà. Maintenant, même principe, si je prends euh, cette couleur-là, toujours avec ma loupe, je prends l'autre, je vois quasiment pas où elle est celle-ci, donc je me dis oh, c'est pas si important et je la dépose ailleurs. Pareil pour ici, donc je reviens ici, je reviens sur l'autre. On s'aperçoit qu'il y en a qu'une, c'est peut-être une erreur hein, parce que généralement je pense que le graphiste aurait dû certainement garder les mêmes. Et même principe, je suis en train de réduire les couleurs et voilà, maintenant je vais avoir une palette qui est beaucoup beaucoup plus euh, réduite et qui correspond quand même beaucoup mieux. Euh, à l'édition, je voulais. Donc là, pour l'instant, j'ai juste fait un petit travail pour vous montrer, euh, pour vous montrer un petit peu cette traduction de couleurs et vous montrer les éléments. Mais maintenant, si je voulais faire euh, une re, un remappage et d'autres essais avec euh, mes propres couleurs, eh bien, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, euh, j'adore ça hein, quand je fais euh, des logos, des choses et que je travaille sur la couleur, la déclinaison. J'appuie sur majuscule O, c'est-à-dire l'outil plan de travail hein, ici, majuscule O, et avec Alt, je viens dupliquer en fait mon élément voilà donc je duplique mon élément je fais échappe pour en ressortir voilà et puis euh, je vais euh, je vais pouvoir bah, me concentrer peut-être sur l'un ou sur l'autre par exemple là je vais peut-être me concentrer que sur le fond donc je sélectionne le fond juste pour voir et puis je vais peut-être euh, rebasculer dans mon redéfinir les couleurs par exemple euh, tuc -tuc -tuc, modification globale alors là je ne l'ai pas ici donc dans ce cas là je vais le chercher par son menu et peut-être que je vais me concentrer pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas un fond, est-ce que je ne peux pas trouver quelque chose de différent pour le fond. Alors peut-être que je veux déjà voir ce que ça donnerait avec un petit peu plus de contraste, un peu plus lumineux dans l'ensemble. Euh, voilà. Non. Alors je n'ai pas que cocher la case, hein, tout simplement. C'est pour ça que je ne voyais rien. Alors là, effectivement, c'était bien au niveau luminosité. Euh, parce que là, c'est façon euh, tableau vert, hein, tout simplement. Mais, mais voilà, avec euh, des, des morceaux de craie. Peut-être que je veux réassembler ou réassembler que celle-ci. Voilà. Donc là, pour le, pour le tableau, ça me semble, ça me semble pas mal. Finalement, c'était bien ce qu'il y avait. Donc finalement, vous voyez, je peux faire valider, invalider. Je reprends maintenant et peut-être que je vais vouloir adapter, en fait, toutes ces couleurs-là à la couleur de ma charte. Alors là, je n'ai pas de couleur spécifique sous la main, mais imaginons euh, que, je, que je veuille recoloriser. Même principe ici. J'ai tous mes éléments, redéfinir les couleurs. Ou peut-être que je vais essayer, en me basant sur cette couleur-là, de revenir avec des couleurs très très contrastées, en pentagramme, c'est très contrasté, c'est-à-dire qu'on va prendre des couleurs, on va essayer de les espacer le plus, pour qu'elles aient un maximum de contraste, euh, ici. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux passer en modification, correction de couleur globale, donc ici, j'étais par défaut en teinte, saturation, luminosité, et si vous allez dans le petit menu burger, je vais zoomer ici, pour qu'on le voit bien, petit menu burger, vous pouvez en RVB, en CMGN, euh, TSL, c'est le mieux, mais de temps en temps, moi, je passe en global. Et en global, ça va me permettre de manière globale de rajouter de la saturation, mais là ils étaient déjà bien saturés tous, d'enlever de la saturation à l'ensemble, si je voulais faire une craie un peu plus pastel ou un peu plus passée, euh, de rajouter la luminance, ou alors je désire réchauffer ou refroidir tout. Alors là ça va un petit peu, voilà. Donc je réchauffe toutes les couleurs et je me retrouve avec des couleurs qui sont quasiment dans le même caméo, imaginons que ça soit la gamme de, de ma marque, soit plutôt dans les tons chauds ou euh, si c'était plutôt en bleu et que je veux, je, veux enlever, euh, voilà, je veux enlever un petit peu toutes les couleurs un petit peu euh, ici jaune etc. Et bien voilà comment rapidement je peux me faire une, une variation en fait de couleurs. Et euh, je peux encore dupliquer et refaire des essais et ainsi de suite et ainsi de suite. Est-ce que ça va ça pour, pour tout le monde Est-ce qu'il y a des questions Écoute visiblement pour l'instant tout le monde est euh, captivé, tout le monde reste là. Oh, euh, Guise nous faisait remarquer que c'était un peu comme Adobe Color, donc j'ai complété en disant que c'est comme Adobe Color sur la forme, mais par contre là on est vraiment en application des couleurs. Oui, exactement. Adobe Color permet de récupérer sa gamme et qui serait finalement la gamme que je vais utiliser, hein, comme je remonte, euh, si je remonte hein, par exemple ici sur le, le, comme le guide des couleurs, euh, donc euh, j'ai voilà, euh, c'est euh, je prendrai peut-être les cinq couleurs qui viennent euh, de capture, Alors, par exemple ici, hop là, je viens hop, ajouter à mon nuancier. Hop là, Hop là. Euh, non, excusez-moi, pas, pas cette couleur, mais le, le thème, ajouter le thème à mon nuancier. Et là, par exemple, voilà, donc là je récupère le thème qu'on a fait tout à l'heure, que j'ai capturé. J'ai mes couleurs ici, euh, de, de, de toutes mes couleurs, et là peut-être que je vais aller chercher, dire, bah, bah, voilà, donc les couleurs qui me servaient au début, bah, je veux les garder, par exemple, parce que c'est celles que, que j'ai travaillées. Et là, je viens euh, chercher euh, d'autres couleurs. Voilà, je, fais, je, je sélectionne au pif, mais vous pouvez bien sûr. Je viens peut-être créer euh, maintenant un nouveau nuancier. Et euh, bah là, une fois que j'aurai euh, cette première inspiration, je peux très bien ouvrir mon illustration. Majuscule haut, encore une fois. Alors je fais attention à avoir déverrouillé aussi mon fond. Voilà, hop, je duplique mon élément. Échappe. Oh, je pensais avoir dupliqué, mais hop là, je n'avais pas appuyé sur Alt. Ce n'est pas très grave. Majuscule O, on va le refaire rapidement. ici, donc normalement c'est dupliqué, échappe, je verrouille le fond, parce que là c'est un tableau donc pour la créer, je reviens ici, je prends mes couleurs ici et je reviens réappliquer. Là, ce qu'on va voir, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup trop de couleurs euh, ici par rapport, euh, par rapport aux éléments. Maintenant, ce que vous pouvez faire, et c'est là où je voulais en venir, mais je voulais le faire sur un autre fichier, mais je veux quand même vous montrer. Ici, vous voyez que j'ai tout un tas de couleurs. Alors, j'ai plus de, de couleurs, euh, de nouvelles couleurs que, que, que ici. C'est pas très grave, mais je vais avoir la possibilité aussi ici de dire, bah, par exemple, la façon dont il a associé les couleurs les unes aux autres ici, en fait. Moi, j'aimerais bien que essayez de faire du, du random, de l'aléatoire, mais en cliquant sur ce petit bouton-là, donc il y a trois, trois icônes en bas à droite, donc euh, celui le, le plus à gauche, eh bien vous allez lui demander de faire, de réattribuer aléatoirement les couleurs. Donc là du coup je profite plus de toutes les couleurs parce que là il avait réattribué les premières aux premières couleurs ici, aux neuf couleurs, et je vais avoir la possibilité aussi de faire varier. Donc là, en cliquant ici, je fais varier aussi leur luminosité et leur teinte. Donc ce plus les couleurs exactes que j'avais ici, mais à partir des, des, des couleurs qui est ici, il va faire changer leur teinte et changer aussi leur luminosité et saturation. Donc voilà. Et là, vous pouvez, et vous arrêter quand vous avez un résultat qui vous semble, qui vous semble intéressant. Ou alors rebasculer ici et revenir précisément en disant, bah non, mais en fait, euh, sur cette couleur-là, sur le vert qui est ici, là, qui est un peu vif, euh, j'aimerais bien plutôt que ça soit, alors en décochant par exemple ici, j'aimerais bien que ça soit plutôt euh, dans les jaunes, euh, un jaune un peu plus clair, etc., etc. Et vous voyez que du coup, on a vraiment une possibilité euh, en termes de variation de couleurs, d'exploration de couleurs, qui sont super, super intéressantes. Alors je vais dire OK, voilà, et vous voyez qu'en très peu de temps, je me retrouve avec plusieurs variantes, hop là, de, hop là, pas mal zéro, voilà. Plusieurs variantes, hein. donc les couleurs originelles réduites, euh, parce que de toute façon, là il y avait une diversité qui ne me semblait pas intéressante, et ensuite bah, deux variations de couleurs euh, qui peuvent correspondre ou pas en fait à ce, que, ce qui m'intéresserait. Donc ce qui est intéressant aussi après, c'est que bah, si, je, si vous voulez, bah, vous pouvez aussi reprendre une couleur, faire sélectionner couleurs identiques et, euh, et retravailler. Alors, avançons un petit peu, je vais passer sur un exemple de, de mon ami en fait euh, Jérôme Bareil, pour lui faire une petite dédicace. Il était venu ici sur une session Photoshop, mais c'est aussi un très très grand expert d'illustrateur. Je le dis souvent, et alors euh, j'en profite euh, parce qu'il n'est pas là, mais je sais que ça, ça lui sera redit. Mais pour moi, Jérôme est le plus grand expert illustrateur euh, en France, aussi bien technique que créant. Euh, donc voilà, alors technique euh, que technique, il y a peut-être des gens euh, qui sont aussi euh, techniques que lui, mais euh, ayant les deux casquettes, euh, c'est pour moi la, la, la personne la plus euh, la, la, la plus à même. Donc oui, ici, c'est un exemple qu'il a créé. Et, et qu'on a reçu d'ailleurs, hein, sur la chaîne reçu, YouTube, quoi, vous pouvez, quoi, le, retrouver, ouais, vous pouvez le retrouver sur Beyond. Ouais. N'hésitez pas, hein, les sessions sont toujours brillantes. Et qui, quand il y a 13 ans, je suis arrivé chez Adobe, était un de mes premiers followers sur Connect à l'époque. C'était pas YouTube, et euh, il est devenu mon modérateur assez rapidement. Et c'est comme ça qu'on s'est connus pour la petite histoire. <laughs> donc voilà. Donc ici, donc dans son exemple, imaginons que ce soit pour un packaging en fait de cupcake. Et là, donc si je sélectionne tout, comme on a vu tout à l'heure, si je reviens euh, toujours dans mon redéfinir les couleurs. Là, on va s'apercevoir qu'il y a 13 couleurs. Alors pour avoir 13 pantones, ça serait un petit peu euh, gênant. Et en plus, on s'aperçoit que ce pas des pantones, justement. Hein, il n'y a absolument pas de, de, de pantônes. Hein. Vous savez, le petit triangle avec le point noir. Et bien ce qui est intéressant, alors je peux le faire depuis, depuis le panneau ici de, de, donc, de nuances de couleurs, ou je peux aussi le faire ici. Il y a un petit icône juste ici, là, qui s'appelle 100, parce que pour l'instant, on ne lui a pas attribué un nuancier. Mais je peux très bien lui attribuer un autre nuancier de couleur que, que j'ai créé, ou un catalogue de couleurs, et par exemple, ça pourrait être un solide cotide. À partir de maintenant, en fait, vous avez vu un petit changement, parce que simplement, euh, la, la gamme que l'on avait n'est pas forcément disponible en Pantone, et si je passe en Modifier, vous voyez que ma, mon cercle chromatique n'est plus aussi lisse, en fait, qu'avant. Tout simplement parce qu'ici, c'est le mappage, en fait, des, euh, des couleurs Pantone sur le cercle chromatique, la disposition par rapport à cette luminosité et ces éléments. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que là, du coup, je vais avoir, donc, des pantones. Et puis ici, ce, ce, ce fameux moyen de venir réduire le nombre de pantone, bah Là, j'étais à 13, Je vais peut-être, cela, c'est les mêmes même principes. Je vais lui dire que ici, ce que je veux, c'est des couleurs exacts. Je veux pas de, je veux pas de tramer en fait. Hein. Je veux pas de ici. Et puis, on va pouvoir comme ça assez assez facilement. Eh bien réduire le nombre de couleurs, voire même se dire, bah, peut-être ici, euh, bah, il faudrait peut-être que je réduise, peut-être qu'il faudrait que je modifie, euh, etc. Ou dire, bah tiens, ici si je voyais, donc là maintenant je mémorise ici euh, déjà mon, mon élément, donc euh, ici euh, voilà, en quotidien, et je vais peut-être vouloir aussi, euh, par exemple, si je, reviens, euh, si je reviens ici, je vais peut-être vouloir voir ce que ça nous donnerait avec euh, d'autres couleurs sur mon pantone. Voilà. Ah j'aime bien, bon là il y a la, la couleur marron est un peu... Euh, voilà. Un peu trop forte. Voilà. Et donc, on va pouvoir s'amuser ici à, euh, à faire des variantes, à essayer euh, parmi mes couleurs, parmi mes éléments. Et puis, si ça me plaît pas, bah, je peux revenir à, à ma couleur de base. Je peux revenir euh, ici à mes couleurs originelles si je clique ici. Et là, je vais réduire. Si je dis OK maintenant, je me retrouve bel et bien avec un nuancier pantone ici. Euh, J'aurais pu réduire à encore plus de couleurs. Hein. Si je reviens ici, je pourrais très bien lui dire bah, de manière arbitraire, on va dire bah, deux couleurs parce que je veux un pantone de couleurs. Voilà. Et là, maintenant, je n'ai plus que deux couleurs euh, ici. J'ai un brin que je peux changer euh, par un, un autre Pantone. Alors, je ne sais pas si vous aviez noté tout à l'heure, mais quand je double cliquais sur Nouveau ici, ça ouvrait euh, bah, le sélecteur de couleurs classique. Là, comme c'est maintenant, j'ai limité à des Pantones, eh bien, il, euh, il sélectionne des Pantones, et je pourrais très bien chercher une couleur, euh, une couleur particulière. Euh, je fais n'importe quoi. Euh, voilà, je menthe la menthe euh, ici. Et euh, voilà. Donc. Ici, comment on pourrait, euh, on pourrait appliquer ça euh, Et bien entendu, ce que j'aurais fait en temps normal, c'est que j'aurais dupliqué le plan de travail avec son contenu, bien entendu, pour pouvoir faire des comparatifs et proposer plusieurs, euh, eh bien, plusieurs éléments. Euh, donc pareil, hein, tu me confirmes Franck, tout va bien où, euh, il des... Tout va toujours très bien, t'inquiète. D'accord. OK. Donc maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est euh, d'autres choses. Euh, voilà. Donc euh, par rapport, à, par rapport à toujours, je, je suis allé chercher aussi des modèles, euh, par exemple des modèles InDesign et euh, des modèles Illustrator. Donc euh, si on prend par exemple un modèle Illustrator, hein, euh, j'en ai, ai téléchargé quelques-uns. J'en ai pris un, quelques-uns et je les ai préparés à l'avance pour être sûr qu'il y ait suffisamment de couleurs. Et ils sont venus se mettre en modèle de documents, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc euh, allez, on va prendre par exemple celui-ci qui est un qui est un, qu un euh, J'ai laissé, j'ai volontairement pas activé les polices tout à l'heure quand j'ai regardé pour vous rappeler que tous les modèles de documents euh, Photoshop, InDesign, Illustrator, les motion graphic templates qui sont dans Adobe Stock utilisent forcément des Adobe fonts. Donc vous avez forcément les polices et il vous suffit de les activer euh, pour pouvoir les utiliser en fait dans, dans votre création si la police vous, est, vous plaît en fait. Euh, voilà donc ça je vais laisser euh, travailler maintenant. Si je reviens ici, ben, je me retrouve avec un graphisme euh, qui est un point de départ. Euh, je vais bien sûr changer mon texte, peut-être ma typo, si elle ne me plaît pas. Et puis, mais par contre, le graphisme, disons, me plaît. Par contre, j'aimerais adapter ça, bah, encore une fois, aux couleurs de mon logo. Bah, là, dans ce cas-là, euh, très facile, redéfinir les couleurs, vous connaissez le principe. Même principe, là, je peux réduire, même si on peut réduire le nombre de couleurs en passant par ici, moi, je préfère toujours le faire à la main. Euh, voilà, ça c'est sauf s'il y en a vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Et à partir de ce, de, de ce moment, bah je vais peut-être soit revenir sur d'autres règles de complémentaires, euh, travailler, essayer, me dire bah, finalement euh, ce vert là c'est pas très très euh, pas très très joli, on va peut-être essayer de reprendre reprendre un bleu ici, euh, voilà, ou peut-être reprendre un rouge ou un un orangé et ainsi de suite afin de de très rapidement en fait faire une déclinaison. Donc vous voyez que ici c'est vraiment extrêmement extrêmement pratique. Maintenant, ça, on peut le détourner. Donc maintenant, vous avez vu que je l'ai fait sur un document comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi la possibilité, dans InDesign, donc ça c'est une astuce que j'utilise depuis quasiment CS3. Donc là, je prends un exemple qui n'est pas forcément le plus joli, mais là je vois le temps qui passe et je n'aurai pas le temps d'aller en chercher un autre. Mais il me faut un minimum de couleurs, parce que là vous voyez qu'il n'y a qu'une seule couleur. Allez, on va essayer celui-là peut-être. Allez, voilà. C'est un exemple de CV, mais ça pourrait être autre chose. Donc euh, voilà. Donc là, il y a des couleurs. Euh, bon, peut-être que je pourrais avoir un truc plus coloré encore. Et vous voulez Alors, je vais peut-être quand même reprendre l'autre document parce qu'il y a des multipages et c'est ça aussi que je voulais vous montrer. Donc tant pis si c'est pas parfait. Même principe. J'active, je, je ferme, je viens peut-être sur une double page. Alors on va prendre celle-ci par exemple. Voilà. Donc là, j'ai une double page avec des couleurs, etc. Alors ça pourrait être plus, moins, etc. Et je voudrais faire des essais très rapides de changement de couleur. Dans, euh, dans InDesign, vous avez euh, cet outil qui est le thème de couleur, qui est très bien pour euh, associer des couleurs d'une image à, à votre graphisme dans l'ensemble. Donc je ne reviens pas forcément dessus, même si j'adore cet outil pour une question de temps. Par contre, quand il y a beaucoup d'aplats euh, bah, ça ne va pas être très pratique de passer par le nuancier et de changer une à une euh, les valeurs de vos couleurs euh, pour pouvoir voir en fait euh, des des variations. Okay. Euh, D'ailleurs, peut-être que je peux prendre quand même un exemple ici. Hop. Euh, si je le retrouve, j'en avais vu tout à l'heure un que je n'ai pas eu le temps de télécharger parce que ça sera quand même plus sympa. Par exemple, ceci, voilà, où on voit des tableaux, etc. Alors, on va faire ça. Est-ce que j'en trouve un autre Alors, par exemple, ça. Bon. Tant pis, on va rester sur celui-là, je le trouve pas très joli, mais c'est pas grave. Okay. Donc, ici, ce que je vais faire, par défaut, c'est un nouveau document basé sur un template, donc il n'a pas de nom. Par définition. Donc, si je reviens ici, je vais me mettre en direct du canapé et je vais l'appeler euh, Toto. Voilà. Et à partir de là, ce que je vais faire, euh, je vais regarder déjà aussi dans mes, dans mes pages ici. Je vais sélectionner parce que ici, euh, quand vous récupérez des éléments, parfois ils viennent d'un nom euh, un petit peu particulier dans les variantes de page. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. La petite astuce, quand vous voulez euh, être sûr d'avoir la bonne section de page, vous venez ici. Vous passez par le menu page, vous faites imprimer la planche, même si je ne veux pas imprimer. Et ici, ça vous donne l'étendue de planche. Vous voyez que c'est basé sur un letter V, et c'est ça qu'il faudrait que je mette dans les pages. Donc j'annule, et maintenant je viens faire exporter, fichier exporter. Je vais faire un fichier PDF pour l'impression. Je dis OK. Je viens lui dire que c'est les sections de page que je viens de coller, de copier. Voilà, comme ça je suis sûr. Et je me suis fait un petit, un petit paramètre qui est AI test couleur. Donc, euh, je coche les planches parce que là, je veux voir les pages en vis-à-vis. -vis. Et j'ai demandé une compression très basse des images. Là, il n'y en a pas, mais s'il y en avait, euh, ça ne sera pas lourd dans Illustrator à gérer parce que ce ne pas les images que je veux traiter, c'est l'ensemble. Le, Et puis, tout simplement, voilà. Donc, euh, on ne va pas faire plus de chichi que ça. J'exporte. Voilà. Donc, normalement, euh, ça, ça s'ouvre, bien entendu, euh, ici. Mais ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement venir demander à Illustrator de l'ouvrir. Donc, je passe ici. J'ai mon PDF Toto. Et à partir de maintenant, je peux sélectionner tout et je peux faire édition, modifier les couleurs, redéfinir. Et là, même principe, je vais pouvoir eh bien, faire des tests, soit en gardant la même, la même harmonie, soit en cassant, en venant travailler, en venant faire des essais. Bien entendu, j'aurai certainement... Donc là, il y a un mode de fusion de transparence entre ces deux couleurs. Euh, voilà. Et là, je vais pouvoir tester, voir ce que ça me donnerait. Ici, j'ai un gris foncé, je vais voir si je pourrais le... Euh, voilà. Et donc ça me permet de rapidement tester en fait des combinaisons ou beaucoup plus rapidement que ce que je pourrais faire dans InDesign. Alors il n'y a pas de passerelle magique ensuite pour récupérer ça dans, dans, dans les éléments, à part peut-être tout simplement euh, récupérer, comme on l'a vu tout à l'heure, en cliquant sur le dossier dans le dossier nuancier ici, euh, récupérer les, les, les couleurs, reprendre ces couleurs ici, alors je désélectionne, je reprends. Donc là il y a cinq couleurs et je pourrais peut-être simplement venir les mettre. Maintenant euh, ici, voilà, et donc là, vu qu'il n'y en avait que 5, il m'a fait un, un groupe de couleurs et je pourrais le récupérer. Maintenant, ce qu'on peut aussi faire, tout simplement, c'est faire copier, basculer dans InDesign, coller, le temps juste que la conversion se fasse, la récupération se fasse, et normalement, ça va importer aussi euh, les couleurs par mmh. le. Oui, ouais. euh, Stéphane, j'ai une petite question, j'ai deux petites questions. Il y en a une de Jean-Baptiste Martinelli qui nous demande. Euh, du coup, est-ce qu'il faut exporter chaque planche en PDF et répéter l'opération Alors non, parce que là, on va le faire sur une planche d'ambiance. Parce que justement là, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, j'ai pris une planche qui était représentative. Voilà. Donc maintenant que j'ai mes éléments ici, je... ce que je vais faire, comme il n'y a pas de, de, de choses magiques hein, pour, pour les éléments, donc là, normalement, quand j'importe, il m'a aussi importé. Vous voyez les couleurs que j'avais. Comme elles étaient en global, elles ont été importées automatiquement ici. Elles n'étaient pas dans mon document de base. Hein. C'est bien cette couleur là, ici. Mmh. C'est cette couleur, d'accord. Donc, ce que je vais pouvoir faire, du coup, c'est dire supprimer cette couleur et la remplacer donc par T41, etc., C41. Et il va remplacer dans tout mon document. Donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin de le faire sur toutes les pages, j'ai besoin de le faire sur une, page une double page représentative. D'accord, alors après je vais avoir une deuxième question qui est plutôt sur Illustrator parce qu'elle est revenue deux fois dans le, dans le chat au début et au milieu. On a pas mal d'utilisateurs qui trouvent que c'est bien de faire des variantes de couleurs mais qui par contre aimeraient avoir des nuanciers par défaut dans leur Illustrator. Alors, les nuanciers par défaut, vous en avez hein, déjà par défaut. Quand vous faites, euh, et je, je rappelle très rapidement, parce que là, c'est une question. Euh, oui, tu m'as dit, on peut déborder un petit peu, ça te va pour on toi On peut Franck déborder un petit peu, il n'y a pas de souci. OK, donc quand vous faites un nouveau document, euh, j'aime bien toujours rappeler, vous avez mobile, web, impression, vidéo. C'est ce qu'on appelle des profils de documents. Hein, quand on faisait d'ailleurs autre hein, dans l'ancienne boîte de dialogue, hein, vous pouvez voir que ça s'appelle bien des profils, parce que ici c'est bien marqué profil, impression, web, mobile, etc. C'est etc. pour ça que quand vous faites un nouveau document, euh, si vous faites un, un, un impression, ben vous allez avoir un nuancier qui est différent. Vous allez avoir des, des formes et des symboles et des styles graphiques qui sont différents que si vous prenez, vous en prenez un qui est plutôt euh, web. Donc, si j'en prends un web, j'ai bel et bien des graphiques, des symboles, des formes et des nuanciers qui sont différents. D'où ça vient ça Eh bien ça vient d'un fichier qu'on appelle un fichier illustrateur tout simple, qu'on appelle un profil de document. Et ça, vous pouvez le changer. Donc sur Mac, euh, sur Windows, je crois que c'est dans euh, AppData Roaming, euh, mais je laisserai euh, pierre étienne euh, ou, euh, ou Alex euh, qui doivent savoir ça par cœur. Sur Mac, quand vous allez dans le Finder, vous cliquez sur Aller, vous affichez la bibliothèque, vous ouvrez votre bibliothèque utilisateur. Et normalement, je, je pense que c'est dans Application Support. À chaque fois, je, je confonds toujours entre les préférences et l'Application Support. Et vous allez dans, euh, dans ici, donc euh, Bibliothèque, donc dans la langue en question. Et vous avez New Document Profile. Et en fait, les cinq rubriques que je vous ai montrées, web, mobile, impression, sont basées sur ce fichier-là. Donc il vous suffit simplement de dire, ici, d'ouvrir le fichier, de supprimer les nuances que vous ne voulez pas, et de venir recréer vos propres nuances à vous. Voilà, tout simplement. Alors moi, ce que je fais, donc la, la bonne pratique, là, je n'ai pas fait sur la 2020, parce que ça, à chaque fois que vous faites une mise à jour, bah, il, il écrase. Ce que je fais généralement, euh, c'est que je fais. Clic droit, je fais compresser, donc je garde une archive des originaux, et je vais modifier les miens, et je ferai une archive qui ne sera pas archive des originaux, mais qui sera archive de, de, de mes fichiers. De, de tes propres préférences pour pouvoir démarrer. Donc euh, voilà. Tous les éléments, les motifs, les couleurs, les et on peut même garder des bibliothèques, des panneaux de bibliothèques ouais. ouverts. Oui, alors est effectivement, tout ce qu'on qu appelle les bibliothèques, c'est les bibliothèques du document. Du document, oui, pardon, pas des bibliothèques Creative Cloud. Oui. La voilà, bibliothèque Creative Cloud, c'est ce qui est apparu après, mais historiquement, il y a des bibliothèques de documents, et on peut le voir dans le nuancier, d'ailleurs, vous avez un petit icône de bibliothèque juste ici. Donc ça, c'est des bibliothèques. Vous pouvez euh, en mémoriser, en enregistrer cette nuance, euh, ou en créer d'autres. Vous avez la même chose ici dans les formes, donc vous avez bien bibliothèque de documents, bibliothèque de symboles, bibliothèque de style graphique. D'ailleurs, au passage, quand vous allez euh, faire... Ajouter vos propres éléments, par exemple dans film et vidéo là. Euh, il existe une action, en fait, un script d'action. Donc, si vous allez dans script d'action ici, voilà, qui s'appelle supprimer les éléments de panneaux inutilisés, sous-entendu dans ces quatre bibliothèques là. Hein, donc ici, on voit bien, j'ai des éléments qui me servent pas. C'est des éléments pour que quand quelqu'un débute, il ne se retrouve pas avec aucune couleur, couleur pour tester en fait. Donc là, si je clique là-dessus, il va me nettoyer. Euh, toutes les bibliothèques de ce qui est inutile. Et là, libre à moi de venir rajouter mes propres couleurs, mes propres icônes euh, dans les symboles, etc. Voilà. Et si j'enregistre à partir du moment où moi généralement je fais ça, hop, je fais un petit peu de ménage et donc je rajoute mes éléments. Si j'enregistre à partir de maintenant, j'ai même pas besoin de redémarrer. Si je fais nouveau document vidéo film, je n'ai plus que le noir et le blanc et je n'ai plus rien d'extra. Dans mes, euh, dans mes bibliothèques. Donc ça c'est euh, voilà, ça c'est les, les profils de documents à ne pas confondre avec les, euh, les, euh, les modèles. Les modèles vont avoir la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir ses propres panneaux, mais on va pouvoir aussi avoir une structure de calque et des éléments sur le plan de travail, ou, ou plusieurs plans de travail, ce qui ne sera pas le cas en fait dans un profil. Un profil, c'est juste euh, aussi, dans un profil, ça va être aussi euh, quel est le paramètre de pixelisation des effets, euh, quelle résolution, pour quel euh, domaine etc etc Donc ça met tout en fait les paramètres prédéfinis en fait euh, du fichier. Ça va Oui, ouais, pas de soucis Donc ça, c'était voilà. Donc c'était pour ça. Maintenant, je voulais finir aussi par du euh, par du XD parce que bah, dans XD, on va pouvoir faire la même astuce. Donc si je prends euh, ici, donc euh, hop là, hop, je vais le rouvrir. Je sais pas ce qui lui arrive. Hop, j'ai pas ma petite fenêtre de bienvenue. Voilà. Je suis allé télécharger, pareil, donc euh, vous savez aussi que sur euh, la page, si vous allez euh, euh, donc euh, sur la page let'sxd.com dans la partie ressources plugins, ça vous emmène sur une page officielle Adobe, euh, dans laquelle vous allez avoir euh, une liste des modules externes, des, des plugins, une liste des, 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 des applications qui travaillent en intégration avec et des kits d'interface. Alors ceux d'Apple, ceux de Material Design, d'IBM, de campagne, et tout un tas de modèles. Donc là, j'en ai pris un et je me suis dit, bah, tiens, voilà, on va faire, faire l'exemple de, bah, je récupère un, un modèle et j'aimerais très rapidement sur un modèle, donc j'ai pris celui-ci, euh, faire des essais de couleurs et euh, transposer en fait ces couleurs euh, dans XD. Pareil, dans XD, vous avez la possibilité dans, dans le panneau des actifs de mémoriser les couleurs, mais pareil, ça sera une à une et pas comme on l'a vu avec la roue des couleurs. Donc ce que j'ai fait, euh, voilà, j'ai téléchargé en fait euh, euh, ce kit mais ça pourrait être un de vos kits à vous, ça pourrait être un de vos projets, et puis euh, le client n'est pas content des couleurs, vous voulez à tout prix euh, faire autre chose. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais peut-être prendre allez, euh, deux, trois, euh, deux, trois plans de travail, je n'ai pas besoin de prendre tout. Pareil, je prends ce qui me semble représentatif. Okay Donc là, par exemple, on a une autre gamme avec d'autres couleurs. Voilà. Donc on va prendre par exemple ces plans de travail là. Donc j'ai sélectionné mes plans de travail par, en cliquant par leur nom avec, avec majuscule. Et je viens tout simplement exporter, exporter la sélection, en fait. Donc du moment où je fais ça, donc je vais demander bah, du coup, de faire un export PDF dans un fichier unique. Euh, comme ça, je vais les avoir l'un à côté de l'autre, au lieu d'avoir plusieurs fichiers, et j'exporte. Voilà. Donc je remplace parce que j'avais déjà fait euh, un essai juste avant de venir pour être sûr que rien ne, <laughs> ne soit euh, trop, euh, trop mauvais. Donc je viens ouvrir ici. Je vais demander d'importer tout et je vais décocher importer les pages euh, ici. Pour des questions de performance, quand on importe plusieurs plans de travail, plusieurs pages d'un PDF, Illustrator vous propose de les garder en fichier lié externe. OK? Euh, là, moi, je veux pouvoir modifier, en fait, les éléments. Donc, j'ai pas envie de casser le lien après. Euh, ça sera plus simple. Et donc, là, il est en train d'importer les cinq plans de travail euh, ici. Donc, même principe. Je pourrais dupliquer tous ces plans de travail euh, ici, par exemple. Oh, euh, n'oublions pas que maintenant qu'on peut multi-sélectionner euh, les plans de travail, je peux dupliquer euh, l'ensemble, voilà, comme ça je garde une copie, et puis je vais pouvoir bah, prendre l'ensemble de mes plans et je vais pouvoir bah, venir, donc là, ici, quand il y a des, des masques d'écrétage, euh, souvent dans les sélections rapides, on ne va pas le trouver, donc là, dans ce cas-là, c'est là où c'est intéressant de savoir que c'est dans le menu objet, euh, dans le menu édition, excusez-moi, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs. Vous pouvez lui associer un raccourci clavier par le menu, euh, ici, raccourci clavier si vous l'utilisez tout le temps. Voilà. Donc ici, bah, je me retrouve bel et bien avec, euh, avec toutes les couleurs comme on a vu. Euh, je vais pouvoir peut-être lui dire, bon, ok, j'ai 14 couleurs, peut-être qu'on peut descendre à 8, juste pour essayer. Donc j'essaye d'abord. Alors hop, 9, parce que là, j'ai un vrai shift sur la couleur. Voilà. Donc déjà, là, ça me permet de, 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 de venir un petit peu travailler. Je fais un petit groupe, je l'applique. Voilà. Comme ça, je vais avoir moins de couleurs, toujours pour les mêmes raisons. Voilà. Donc là, maintenant, je vais me retrouver avec, euh, avec mes couleurs, ce que je vais vouloir aussi ici c'est peut-être bah, euh, identifier les couleurs. Là, par exemple, je, 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 je vois que c'est bel et bien cette couleur-là, et je vois que c'est bien et bien lié. Et quand je tourne, je m'aperçois qu'il y a des images et que le fond matche avec les images. Donc, ce que je vais faire, je reclique sur la petite pipette qui reprend les couleurs d'origine, je vais aller dans attribuer, et je vais aller regarder où se trouve la couleur qui m'intéresse. La couleur, la couleur de fond, visiblement, c'est celle-ci. Donc, je vais lui dire, et donc ça, ici, je vais cliquer sur ce, sur ce petit élément pour lui dire, tu n'as pas le droit. Donc, sur SPETFLESS, il y a un trait. Il n'a pas le droit, en fait, de changer cette couleur. C'est tout simple. Donc, à partir de ce moment-là, en théorie, si j'ai choisi le bon, je reviens à tout grouper, eh bien, je ne change plus que les couleurs, mais je ne touche plus à la couleur du fond. Donc, ça, c'est super pratique. pouvoir, dans la partie attribuée, supprimer, en fait, les, les éléments qui ne nous intéressent plus. Et après, bah, libre à moi de travailler, de voir, de peut-être revenir ici. Alors, je ne vous ai pas montré aussi tout à l'heure, mais, en fait, pour le rappel... Les couleurs, on parle de teintes, donc les, les couleurs hein, sur le cercle chromatique ou de, de l'arc-en-ciel à leur plus grande vivacité, même s'il n'y a pas de, de mage. Mais en gros, c'est toutes les couleurs les plus pures. La saturation, est-ce que les couleurs sont désaturées, donc elles vont vers le gris, ou elles sont à leur plus grande vivacité en termes de teinte Et la luminosité, en gros, est-ce que je baisse la lumière et est-ce que euh, j'allume la lumière de, de manière très claire Donc là, on a trois critères. Or, on a une représentation en deux dimensions. Donc ici, par défaut, ce petit icône vous affiche la saturation et la teinte. Et cette réglette, c'est la luminosité de manière globale. Mais si vous voulez, vous pouvez avoir la luminosité, la teinte et la saturation qui se trouve en dessous. Donc ça, c'est très pratique, par exemple, quand vous voulez eh bien, venir bah, retravailler euh, plutôt qu'en luminosité sur l'ensemble des éléments. Voilà. Et, euh, et ainsi de suite. Donc là, si je voulais euh, désaturer l'ensemble, c'est un moyen de le faire, même si je pourrais passer par là ou par les corrections globales, mais c'était pour vous montrer un petit peu euh, aussi cet élément. Donc là, je vais avoir la possibilité, donc je vais faire un réglage vraiment où je vais basculer peut-être sur une autre, une autre règle d'harmonie, euh, voilà, on va faire celle-ci, juste histoire d'avoir euh, quelque chose, et je vais venir, voilà, peut-être assombrir ou euh, peut-être, euh, voilà, désaturer euh, de manière globale l'ensemble. Voilà, je veux des couleurs, voilà, un peu, plus, un peu plus désaturées. Voilà, donc je pourrais affiner, le, le, le but n'est pas d'affiner, là, euh, c'est vraiment de vous montrer un petit peu, je fais « OK », et là, ce que je peux faire, c'est que je peux copier l'ensemble ou je peux copier un plan qui est représentatif, un par un. Je fais simplement copier. Même principe, je reviens maintenant dans XD. Je reviens à côté du plan qui m'intéresse. Je colle. Hop là. Alors non, ce n'était pas le bon. Mais ce n'est pas grave, on va aller à côté. Il doit être, ça doit être celui-ci, voilà. Et même principe, bah, du coup, je vais venir ici. Je vois qu'il y a plusieurs couleurs. N'oubliez pas que dans XD, donc dans le panneau des actifs, vous pouvez faire un clic droit et mettre en évidence là où l'élément est, est bris. Donc là, il n'est pas là. Ça doit être celui-ci. Donc c'est bien cette couleur-là. Donc là, dans ce cas-là, clic droit, modifier. Je prends ma mipette, et je viens sélectionner cette couleur-là. Et ça changera, bien entendu, partout où cette couleur est utilisée dans mes plans de travail. Ok, donc même principe. Bon après, je, je pourrais le faire hein, sur toutes les couleurs, mais même principe. Si je reviens ici, je vérifie que ce soit la bonne. C'est bien la bonne. Clic droit, modifier. Enfin, si j'en ai plusieurs, hein, comme là j'en ai plusieurs, euh, voilà, on peut ne pas être sûr. Et je mets à jour assez facilement. Là, ça me semble assez évident que c'est celui-ci. Et je mets à jour cette couleur là. Et donc ça se met à jour partout où ce vert euh, et cette couleur Écoute, c'est formidable. Je sens qu'on a, a un franc succès là dans le, dans le chat. Réponse très complète pour, le, pour la question des, des nouveaux documents dans Illustrator. Euh, merci et super astuce sur les, les, les précédents contenus. Et euh, Lila qui nous dit Mais c'est génial, que temps perdu auparavant. Ce panneau va devenir mon meilleur ami. C'est clair. Il faut l'explorer. Là, je n'ai pas eu le temps de... Il y a encore plein de choses cachées dedans, la luminosité, etc. Euh, par exemple, dans les exemples de, de notre ami euh, Jérôme, euh, un, petit, un petit exemple ici, euh, voilà, qui est euh, un petit euh, Diabolo. Euh, donc là, si on sélectionne tout, c'est en niveau de gris. Donc là, il a travaillé en niveau de gris, un petit peu comme les peintres, souvent. En fait, on plisse les yeux ou, euh, ou dans Photoshop, on, on fait un commande Y ou on met un calque noir en mode, en mode, en mode, en mode couleur pour enlever la couleur. De manière à voir les valeurs. En part, on va parler de, de valeurs et de couleurs, en fait. Et ces couleurs doivent tenir, rien qu'avec les valeurs, comme une photo noire et blanc, finalement. Une photo noire et blanc, vous comprenez toute la scène et l'ambiance. La couleur rajoute une, une couche d'ambiance supplémentaire et une émotion supplémentaire. Mais les valeurs sont importantes. Donc là, ici, ça a été travaillé en valeurs. Donc ça veut dire que quand on va venir maintenant retravailler ici, par exemple, sur mon menu édition, toujours modifier les couleurs, redéfinir les couleurs d'illustration. Par défaut, euh, je clique sur un dossier de couleurs. Là, ce n'est pas forcément euh, ce que j'aurais pu m'attendre. Parce que moi, ce que je m'attendrais, c'est qu'il il adapte les couleurs en fonction de la luminosité. Eh bien ça, vous pouvez donc lui dire, alors là, c'est là où c'est un petit peu technique, mais ce n'est pas très, pas très technique. Il faut savoir que dans les couleurs d'origine, donc dans cette section-là, donc si je viens ici, je vais pouvoir lui dire dans les couleurs d'origine, donc c'est là où vous pouvez décocher le blanc, etc. J'aimerais que le tri de mes couleurs ici se fasse en fonction de la luminosité du foncé au clair ou du clair au foncé. Pas très grave. Donc là, bon, OK. Et là, on voit que ça marche beaucoup mieux et que je peux faire la même chose dans le petit menu burger nouveau ici, dire foncé à clair. Et là, il va respecter la luminosité foncé à clair ou clair à foncé. Et pareil, après, je peux me dire, ben bah voilà, là, il y a des couleurs qui ne m'intéressent pas. Et je peux revenir, euh, retravailler euh, ici et dire, bah, par exemple, cette couleur-là. Alors je vais essayer de trouver où elle est, voilà, vous voyez, ici ça devient très intéressant, là par exemple j'aimerais bien que ça soit jaune, le, tu vois, le, le, ce qui est dans le blanc des yeux, donc là du coup je le remets sur le jaune, et là maintenant quand je ressors, j'ai l'intérieur qui est jaune, et ainsi de suite. Donc vous voyez finalement il y a plein 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 de choses dans ce, dans ce panneau, euh, il faut l'explorer, il faut l'utiliser en fonction de ses besoins, euh, et, euh, et mettre ça à jour en fonction de ses, de ses, de ses possibilités, mais vraiment, euh, pour moi, c'est euh, voilà, un des outils les plus puissants qui existent sur les harmonies de couleurs, euh, le guide des couleurs aussi. Enfin, euh, ça fait partie de mes, euh, mes outils préférés. Bah, écoute, bravo. Je pense que là, on a fait un bon tour. Euh, Cyril est prêt, euh, est prêt euh, ou prêt ou prête d'ailleurs à passer des heures à nous écouter. Et Delphine veut bien rester encore un petit peu, mais je pense qu'on va quand même. Euh... Non, bah là, là, c était c était, pause, là. Du, du, du du sujet, hein, c'était voilà, je voulais être sûr d'avoir bien couvert. Et effectivement, oui. j'ai pas couvert cette petite partie-là, qui est un bon petit truc aussi pour euh, quand vous voulez, vous avez quelque chose, vous avez monté une maquette en, plutôt au en niveau de gris parce que vous n'avez pas encore euh, statué sur les couleurs, etc. Bah, voilà, comment appliquer en fait, euh, des couleurs a euh, posteriori. Parfait. redis donc on a même des gens qui nous suivent de l'Ontario. Oh, c'est génial. Bonjour. De plus en plus loin. <laughs> C'est génial. Euh, donc voilà, bah, écoute, voilà, moi c'était un petit, un petit peu tout ce que je, que je voulais vous dire. Et ce que je trouvais intéressant aussi, bah, euh, là c'est je fais une petite, une petite parenthèse parce que c'était pas tout à fait ça. Mais le modèle, souvent, ce que j'ai souvent entendu dire pendant que j'étais dessus tout à l'heure, là ça n'a rien à voir avec les couleurs même. Mais beaucoup de gens me disent, bah ouais, mais c'est bien, mais il y a des modèles, par exemple, euh, de magazine, mais moi, c'est pas forcément les bonnes tailles euh, pour, mon, euh, pour mon magazine. Parce que là, euh, souvent, d'ailleurs, c'est euh, en pouce, euh, etc et c'est pas les bons formats, mais je vous rappelle ici qu'on a une fonction qui s'appelle ajuster la mise en page et que si vous venez ici que je viens de dire par exemple ce que je veux moi c'est on va dire allez, un 20 cm par euh, du euh, 24 cm ou on va peut-être faire plus 28 cm là vous pouvez, vous avez des, des petites options mais en gros c'est de l'intelligence artificielle et en fait bien notre, notre gentil InDesign est en train de tout euh, de tout repositionner au mieux. Après, bien entendu, il y aura des petites zones que vous devrez repositionner, mais en fait, euh, il a fait tout un travail pour vous de réajustement automatique de ce modèle. Donc ça peut être un bon point de départ de basculer sur, euh, sur stock, aussi bien en vecteur qu'en euh, qu élément. Quand vous avez besoin d'un truc rapide, d'un flyer euh, pour un pod, pour une asso, un euh, petit resto, il y a des fois, même si vous savez faire, partir d'un modèle et bien le personnaliser avec du goût, et eh bah ben, ça permet d'aller plus vite. Voilà, ouais. donc c'était la petite astuce de fin. Écoute, merci, merci beaucoup Stéphane. Euh, c'est toujours très apprécié. <laughs> Delphine est lancée, elle la attend que, elle espère que tu restes intarissable. Non, non, on va, on va quand même mettre un terme à tout ça, euh, même si ça nous fait très plaisir. Bien, merci encore Stéphane pour tous les trucs et astuces, pour tous les liens entre les différentes applications. C'est, je pense, c'est précieux ici, donc on essaye de rester dans ce, dans ce ton là. Euh, est-ce que tu sais déjà de quel genre de sujet tu voudras nous parler la semaine prochaine alors non j'ai pas encore réfléchi je t'avoue il euh, y a eu pas mal de, de sujets qui avaient, été, euh, qui, avaient été, euh, qui avaient été postés alors je les ai plus en tête mais je sais qu'on a pas mal de choses hein. j'en avais effectivement sur Dimension mais comme on a eu Emmanuel qui nous a fait un super sujet j'attends un petit peu pour pas qu'on fasse toujours les mêmes sujets euh, donc, euh, donc je pense que ça sera du Photoshop et je suis en train de regarder la liste tout de suite sur mon téléphone pour savoir exactement dans quelle direction on va se... on peut, on peut voter en live c'est ça, on peut, on, on peut vous ouais. laisser voter de toute façon euh, n'hésitez pas, pour ceux qui arrivent en retard je pense à Philippe qui arrive toujours en retard chaque, chaque jour de la semaine euh, faut soit se mettre un rappel, soit euh, se regarder effectivement les replays. Les replays sont disponibles ici sur Beyonds.net/slash euh, live/slash fr et vous retrouverez l'onglet du live euh, directement sur la chaîne. Voilà. Alors je peux proposer euh, deux thèmes euh, autour de l'animation. L'un purement l'animation dans Photoshop, ça m'avait été demandé. Et il y en a un autre qui est une conférence que que j'ai fait plusieurs fois sur euh, les principes d'animation, euh, quel que soit le logiciel. Et souvent on me demande mais quel logiciel est le mieux pour animer Est-ce qu'il faut utiliser After Effects Est-ce qu'il faut utiliser Character Animator Est-ce qu'il faut utiliser Photoshop Est-ce qu'il faut utiliser Animate Etc. Donc c'était euh, une session plutôt sur les principes d'animation mm -hmm. avec euh, des petits aperçus. Donc, voilà. Donc soit les principes d'animation, euh, soit le, seulement l'animation dans Photoshop. À vous de me dire. Voilà. <laughs> Ça marche. En fait, on prend on prend les, on prend les votes dans les, dans les conversations dans les chats puis on va voir un petit peu ce que ça donne merci encore Stéphane merci. Euh, à très bientôt à très vite ciao, ciao. alors j'ai fait disparaître Stéphane je reste avec vous encore quelques instants euh, juste pour m'assurer que tout le monde est bien là que tout le monde a apprécié donc la session je vais Poser le casque, parce que c'est vrai que du coup euh, j'ai plus besoin d'entendre Stéphane, donc je vais rester avec vous euh, uniquement. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir répondu euh, à toutes les questions qu'on avait pour vous sur le chat. Merci d'avoir euh, partagé les liens, je pense à Alexandre et à Pierre Etienne. On se retrouve donc euh, ici ou sur Beyoncé.net/slash euh, live/slash fr, vous pourrez retrouver tout ça. Visiblement, les principes d'animation ont un grand succès, donc la semaine prochaine, principes d'animation. Demain matin, d'ailleurs, on fait encore un petit peu d'animation euh, sur la chaîne YouTube, ce sera à 10h, et on parlera de lip-sync euh, à l'intérieur d'Animate, et pas que caractère animator. Je vous remontrerai un tout petit bout de caractère animator, mais il y aura beaucoup plus d'Animate dedans. Voilà, sur ce, ben, bonne fin de journée, et à très bientôt. Bye bye